Voilà, on est toujours à la TG Expo, je suis avec Idriss, Idriss Animation. C'est ça. Et j'ai vu que tu faisais des gros cadeaux sur scène tout à l'heure, du coup j'avais envie de t'interviewer. Sans problème. Non mais on en a déjà parlé ce matin, mais j'ai vu en effet qu'il y avait une foule en délire. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais et comment t'en es arrivé à avoir une foule en délire comme ça au pied de la scène? Alors, comme je le disais un petit peu précédemment, donc de base, je suis un enfant de convention. D'accord, ouais. Voilà, j'ai assisté aux toutes premières conventions telles que la Japan Expo. Ouais, la Japan, bien sûr. Et puis, à la base, voilà, j'avais fait un petit peu de bénévolat sur Paris. À la suite de ça, j'ai fait un petit peu d'expo. Ok, ok. Et puis, je venais juste en tant que visiteur parce que j'ai toujours aimé ça. Hein, ouais. Si c'était pas à Paris, j'allais à Lyon. Si c'était pas à Lyon, j'allais à Monaco. Parce qu'il y a la magie qui est pas mal aussi là-bas. Et puis, à la suite de ça, il y a 3 ans et demi, y avait un ami à moi où je l'avais aidé pour faire de l'animation sur son stand. Ouais, d'accord. Et c'est de là où tout a commencé parce que j'ai une voix qui porte. Ouais. Je pense que ça doit encore s'entendre. Et à ce moment-là, il me dit « Ouais, tu fais ça sur scène ?» J'ai fait « Non, mais pourquoi pas ?» Allons-y. Pourquoi pas ? Et puis de là, ça a commencé au cinéma d'abord. D'accord. Pour la promotion de Broly. Ok. En parallèle, ça a continué sur Valence. D'accord. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir une personne en fait, qui travaillait du côté de Bandai et qui faisait en même moment la promo de Broly. Okay. Donc j'ai pu aussi assister à cette promo et faire une animation. Donc Broly, le film Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Broly, c'est ça. Et puis au fur et à mesure, par rapport à des dires de moi, en ma qualité d'animation, ça s'est propagé un petit peu partout, de bouche à oreille. Et j'en suis très content. Ok, super. Et donc aujourd'hui, tu arrives sur la TG Expo, première année où tu fais l'animation ? Alors, TG Expo, c'est une superbe histoire. D'ailleurs, au passage, je remercie encore TGS de mettre toutes les conditions pour accueillir ses guests, ses youtubeurs, ses animateurs, pour faire d'excellentes excellentes prestations. Donc déjà, merci beaucoup à TGS. On les remercie, nous aussi on les remercie. Franchement, c'est top du top. Et vraiment, malgré nos précédents qu'on a tous subis, ils sont toujours là et toujours au top du top. Et du coup, j'ai oublié ce que tu disais à la l'histoire, base. L'histoire, comment t'en es arrivé là? Alors, par rapport au TG Expo, c'est pas inconnu puisque c'est la troisième fois d'affilée. Ouais, d'accord. C'est vrai que Pau, c'est un long trajet, mais j'adore parce que c'est un super public. Ouais. Ils sont tous tout mignons, tout gentils, tout avenants. Et il y a une ambiance ici. Et il y avait une sacrée ambiance dès la première fois. Donc automatiquement, je me suis dit tout de suite, je vais y retourner, si j'ai la possibilité d'y retourner. Et donc du coup, c'est la troisième fois, puisque j'ai fait celle de l'année dernière. Et du coup, celle de cette année. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes sur scène? Tu as des petits exemples là, de ce que tu as proposé dans la journée? Alors là, je vais parler surtout de ce que je fais actuellement, parce que ça a pas mal évolué depuis le temps. Ouais. Alors de base, c'est vrai, c'était surtout on appelait ça le QDD. Du côté de chez moi, donc quiz, débat, devinette, avec des cadeaux à gagner, grâce à beaucoup de personnes autour de moi. Là-bas, c'était mes propres cadeaux au tout début. Et à la suite de ça, l'investissement personnel. Voilà, et investissement personnel, investissement aussi sur Instagram. Au début, c'était moi et moi. Et puis au fur et à mesure, il y a Bandai qui souvent sont avec moi pour m'aider. Et d'ailleurs, je ne leur remercierai jamais assez. Pour des partenariats d'événements. Et à la suite de ça, j'ai eu des bestailles à un moment donné également. Ok. Qu'il faut remercier aussi parce que ça a été une belle aventure. Et c'est une boutique sur Paris qui s'appelle Geek My Goodies. D'accord. À qui je fais un coucou et la promo en même temps. Qui m'a pas lâché dans le sens où elle a toujours été là, même pendant le Covid et le confinement, quand je faisais des petits lives avec des cadeaux à gagner, il était là pour me donner plein de cadeaux. Et du coup, j'ai toujours quelques cadeaux à moi. Mais vraiment, Bandai et Geek My Goodies
ont toujours été là pour moi et je suis très heureux parce que ça veut dire que mon travail est de qualité. Apprécié. Donc là aujourd'hui c'était le feu, il y avait les cadeaux, il y avait les plus, etc. Ouais, c'était le feu parce que en plus t'as vu, hein, j'ai presque plus de voix, enfin, j'ai la moitié de déjà, ma voix. Oh là là. Incroyable, grosse ambiance aujourd'hui, il y avait plein de personnes partout. Et du coup, ma nouveauté en fait, donc au début on teste, donc un mini quiz. Maintenant, il y a aussi des questions vidéo, c'est-à-dire en fait, Sangoku, il affronte Freezer et puis tu Krillin, qu'est-ce qui se passe après ? D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça c'est pas mal, ils adorent ça. Après, il y a aussi des débats, mais des débats vidéo. D'accord. Donc en fait, là aujourd'hui, c'était quel était le moment le plus what de que t'as eu durant ces 10 dernières années. Donc ça a tourné, il y avait du Madara. Il y avait du Aizen, top 5 des meilleurs personnages pour moi. Il y avait Black Goku aussi, parce que même si c'est subtil, l'apparition de Black Goku, c'est quand même énorme, c'est quand même épique. Ouais. Parce que moi, j'étais là en mode, what ? Ouais, je peux comprendre. Il y avait quoi encore ? Du Aizen, il y avait... Par contre, j'ai dû couper les scènes, ils étaient un peu dégoûtés. C'est le seul moment où le public était dégoûté. Forcément, le combat entre Levi et le Titan Bestial. Okay. Mais en fait, je me réexcuse du coup, parce que j'ai quand même une responsabilité au sein du TGS. Et j'ai juste mis le moment où Levi il apparaît et j'ai mis un petit peu avant aussi, mais voilà. Ok. Et étant donné que c'est un moins de 16 ans, donc, normal, je vais pas mettre les scènes. Ça a bien débattu en tout cas. Mais ça a très bien débattu et ça a été au top du top. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas de t'être prêté à cette petite interview. Super, Est-ce qu'on te retrouvera sur TGS Toulouse peut-être ou... Oui, sur TGS Toulouse, normalement oui, avec. Avec là par contre en plus j'en ai parlé à l'organisation, une petite surprise parce que ça fait près de plus de 10 ans que je ne m'étais pas cosplayé. D'accord. Et là exceptionnellement je serai cosplayé au début de ma scène. Ok. Je vous dis pas quoi. On mais c'est un lien, je peux donner un petit indice quand même. Ouais. C'est un petit lien avec Toulouse et l'histoire de Toulouse. Hey. Et et puis là il y aura des gros cadeaux parce que là pour cet événement c'était Geek My Goodies, mais là il y aura et à la fois comme l'année dernière à Pau Geek My Goodies et Bandai. Pour m'aider et pour faire l'animation de folie. Ça va être lourd. Sur les deux jours. Ah ouais, ça va être dingue. Là ils vont kiffer. Ok, super. Merci beaucoup Idriss et puis on se voit du coup à la prochaine. Yes. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye.